Yoga pour la joie. Nada yoga. La science moderne vous prouve que l'existence tout entière est juste une réverbération. Là où il y a une réverbération, il y a forcément un son. Donc l'existence tout entière est son. Les sons racines pour cet amalgame complexe de sons sont A, OU et M. Sans utiliser votre langue, vous ne pourriez faire que ces trois sons, A, OU et MA. En plaçant votre langue dans différentes positions dans la cavité de votre bouche, vous arrivez à mélanger ces trois sons et à produire tous les autres sons. A, OU et M sont la base de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Ils sont appelés les sons de base ou les sons universels. Si vous prononcez ces trois sons ensemble, vous obtenez le son Aum. Ce sont les trois seuls sons que le système peut produire naturellement. Si vous prononcez ces trois sons avec attention, différents aspects de votre corps sont activés et énergisés. Vous remarquerez, si vous prononcez le son A, la réverbération commence juste en dessous du nombril et va se répandre à travers tout le corps, parce que c'est le seul endroit où tous les 72 000 nadis, ou canaux d'énergie, convergent et se redistribuent. C'est le centre de maintenance du corps. Prononcer le son A le renforce. Si vous prononcez le son OU, vous remarquerez ce point où les côtes se rencontrent, juste en dessous, il y a un point mou. Les réverbérations partiront d'ici, puis remonteront. Si vous prononcez le son M, vous verrez que les réverbérations vont partir du creux de votre gorge et vont généralement se propager vers les parties supérieures de votre corps. Prononcer ces sons a d'innombrables bienfaits. Si vous souffrez de troubles psychologiques quelconques, comme une peur excessive, des cauchemars, ou un mental, ou un corps instable, si votre constitution générale est faible, vous avez tendance à tomber malade trop souvent, en particulier pour les enfants qui ont des troubles de l'attention. La prononciation quotidienne de ces sons, pendant quelques minutes par jour, fera une différence énorme. La prononciation de ces trois sons fondamentaux active les trois lobes de vos poumons séparément, ce qui, à son tour, active les trois segments de base du corps, le bas, le milieu et le haut, posant les fondations nécessaires pour le contentement de votre être ou pour une existence joyeuse. Voici quelques instructions qui créeront des conditions optimales et augmenteront sensiblement votre réceptivité aux pratiques. Veuillez vous assurer que les téléphones sont en mode silencieux ou éteints. Il est conseillé de ne pas faire la pratique avec l'estomac plein ou immédiatement après un repas. Veuillez vous asseoir avec la colonne vertébrale droite de manière confortable, les mains non croisées et les paumes ouvertes. Ces conditions vous prépareront à être dans un état de réceptivité accrue et à retirer les plus grands bénéfices des pratiques. Ces pratiques sont très sûres et simples et peuvent être faites par n'importe qui. Les pratiques que nous allons apprendre ici peuvent être faites par toute personne âgée de 7 ans et plus. Si vous portez des lunettes pendant la pratique du yoga, veuillez les enlever et les garder près de vous. Asseyez-vous, jambes croisées. Placez vos mains sur vos cuisses, paumes vers le haut. Écoutez les instructions attentivement avant de commencer la pratique. Ouvrez votre bouche en grand et prononcez le son. En expirant complètement dans le son. Nous allons faire ça 7 fois. Puis formez un cercle avec vos lèvres et prononcez le son. En expirant complètement dans le son. Nous allons faire ça 7 fois.
Puis, en fermant la bouche, prononcez le son. Vous prononcez le son sept fois. Pendant que vous faites cela, remarquez où les réverbérations ont lieu, dans quelle région du corps. Le son A génère des réverbérations autour de votre nombril. Le son OU au point où les côtes se rejoignent. Et le son M sera centré autour du creux de votre gorge. Maintenant, faisons-le ensemble. Gardez vos paumes vers le haut, la colonne droite, de façon confortable. S'il vous plaît, fermez les yeux.
Prenez votre temps. Prenez votre temps. Lentement. Très lentement. Ouvrez les yeux. La joie n'est pas un événement rare. Ce n'est pas un exploit ou un accomplissement. Ça devrait être l'ambiance naturelle de votre vie. Quand vous restez joyeux, votre vie tout entière est une fête.